Chers téléspectateurs de Télé-Lumière, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Télé-Lumière sur la situation socio-politique d'Haïti. Je suis Daniel Labranche. Nous avons comme invité un politologue dont la compétence, l'intégrité, l'amour du pays et la bonne réputation sont connus de tout le monde. Il est aussi l'auteur de deux succès de librairie, Une voix pour, lisons, Une seule voix pour deux voix, un seul lit pour deux rêves et La crise haïtienne contemporaine. Deux livres qui embrassent et couvrent objectivement les problèmes d'Haïti. Je vous conseille d'acheter ces livres. Nous sommes honorés et privilégiés de recevoir une nouvelle fois à notre studio un éminent professeur, un ancien président d'Haïti, le professeur Leslie François Maniga. Bonjour, monsieur le professeur, et bienvenue à Télé-Lumière. Bonjour, mon cher Daniel, et merci de cette introduction flatteuse. Et je suis très heureux d'être une fois de plus au studio de Radio-Lumière, et comme toujours, je suis non seulement disponible, mais je suis toujours ravi d'avoir l'occasion d'un dialogue avec la communauté haïtienne, partout où elle se trouve, particulièrement dans la région de Boston, et de parler de choses qui nous intéressent, c'est-à-dire le présent et surtout l'avenir de notre petite patrie bien-aimée. Monsieur le professeur, on a mis l'accent sur la célébration du 20e anniversaire du RDNP. Quelles sont, d'après vous, les meilleures réalisations du parti au point de vue politique? Au niveau politique, je crois que le parti a rempli une fonction essentielle, je dirais même indispensable, contribuer à la conscientisation du peuple haïtien d'une manière générale. Donc on a pris le temps qu'il fallait, 20 ans, pour faire triompher un certain nombre d'idées, pour faire passer un message et pour faire admettre qu'il nous faut, comme nous l'avons dit, concevoir, dire et faire la politique autrement. Aujourd'hui, chaque fois qu'un parti politique se forme, puisque les gens veulent former des partis politiques, ils sont en train de prendre dans ce patrimoine que nous avons créé, une politique d'idées, de messages. Ils disent la même chose, simplement il faut un nouveau parti. Mais en réalité, la plateforme politique était déjà là. Nous avons largement contribué à populariser un message qui consistait à dire que l'unité du peuple haïtien est impérative face à la situation actuelle. Nous y reviendrons. Que ce pays mérite, ce peuple mérite aussi de connaître la démocratie, les bons côtés de la démocratie, évidemment adaptés à la situation haïtienne, que ce pays a un besoin ardent de justice sociale pour mettre fin à des inégalités inacceptables, et c'est incontestable que ce message a passé, et puis surtout, il est grand temps qu'on prenne au sérieux les problèmes de ce pays et qu'on les traite en patriotes, car il est indispensable que nous prenions en main nos affaires, que, comme disent les Américains, le inner drive, la poussée intime, l'initiative vienne de nous, même si nous avons besoin et nous accueillons, nous avons besoin de l'aide étrangère au fur et à mesure que nous nous développons, avec pour moi l'idée que certains contestent, mais pour moi est fondamentale, l'idée que nous devrons à un certain moment dépasser la phase où l'aide étrangère est indispensable et nous libérer en quelque sorte de cette aide en remerciant les donneurs d'aide, mais nous n'en avons plus besoin. Taïwan l'a fait. Taïwan a fait un développement sur plusieurs années, même des décennies. Mais Taïwan avait prévu qu'il y avait ce qu'on appelle le phasing out. C'est-à-dire, il y a un moment où je peux marcher par mes propres moyens. Je n'ai plus besoin de votre aide. Vous m'avez aidé à me consolider, à me fortifier, à me mettre sur pied. Je vous remercie. J'apprécie. Mais il doit y avoir un moment où je peux marcher par moi-même. Le phasing out. Donc nous devons avoir un objectif, à savoir faire en sorte que les efforts haïtiens permettent à Haïti de vivre. Monsieur le professeur... Mais alors, attendez, c'est le premier aspect, la conscientisation, parce que quand même, il faut que je réponde plus amplement à la question. D'abord, les idées générales. Ensuite, un message particulier. Mais surtout, je crois que nous avons contribué à faire prendre conscience aux Haïtiens de la gravité de la crise générale du pays. Que ce n'est pas une crise superficielle, ce n'est pas un problème de changement de gouvernement, autant que je m'y mette. Non, le problème est plus profond, plus fondamental. C'est une crise de structure, c'est une crise de système économique, social et politique. C'est en réalité, comme je l'ai souvent démontré, la fin d'un monde haïtien, la fin du système social, la fin de ce que j'appelle la société traditionnelle et la naissance obligatoire, mais qui n'est pas encore là, du
une autre société, que nous avons un projet de société pour reconstruire Haïti, la société moderne dont Haïti a besoin, et malheureusement, elle frappe à la porte, elle ne peut pas entrer. Donc notre problème à nous est de laisser mourir la société traditionnelle. Elle a déjà fait son temps, mais de construire la société nouvelle. Et c'est là que nous sommes. Nous sommes dans cette crise-là, à ce moment précis où il y a le passage qui ne se fait pas, qui se fait douloureusement, qui se fait tragiquement, qui se fait parfois de manière désespérée, comme la situation actuelle, mais le passage doit se faire d'une société ancienne à une société moderne. Donc nous avons contribué sur ce plan à faire prendre conscience de ça. Mais alors, attention, nous avons établi un réseau structuré pour constituer une force politique. Oh, je ne veux pas dire que nous avons atteint notre objectif à 100%, non. Mais au moins, nous nous sommes donné cet objectif de structurer le pays, de quadriller le pays. À l'intérieur, nous sommes présents dans tous les départements, nous sommes présents dans toutes les communes, nous sommes présents dans toutes les sections rurales. Pas un nombre suffisant pour l'instant, c'est possible, c'est même vrai, mais nous travaillons, nous continuons. Et d'autre part, à l'étranger, je crois pouvoir dire, sans immodestie, mais en toute vérité, que nous sommes la seule formation politique être présent dans 10 communautés haïtiennes de l'extérieur, là où il y a du monde, en quantité et en qualité, et nous avons 3 antennes dans d'autres régions, ce qui signifie que nous couvrons toute la diaspora haïtienne. Vous allez à Montréal, Ottawa, ici Boston, Chicago, New York, Washington, Miami, Paris, Cayenne, vous trouvez des branches régionales de l'UNDP en fonctionnement avec leur comité directeur, leurs activités. Parce que je suis ici maintenant, c'est pour fêter avec la branche régionale de Boston le 20e anniversaire du parti. Mais c'est le comité directeur de Boston qui a organisé toutes les activités, toutes les manifestations, y compris celle-ci. Donc nous avons donné l'exemple d'une formation politique moderne dont le pays a besoin pour entrer en démocratie. Puis enfin, nous avons été au pouvoir. Ah, mais ça c'est une des grosses réalisations du RDNP. On a été au pouvoir. On a vu le type de gouvernement que nous avons donné à ce pays. On a vu les approches des problèmes. On a vu les débuts de solutions en 4 mois et demi. On a vu ensuite des orientations progressistes. On a vu ce qui a été annoncé, qui devait être déclenché à partir d'octobre dans tous les domaines. Écoutez, le peuple s'en souvient. Le peuple se rappelle qu'on prenait attention à ces problèmes de vie chère, par exemple, que nous combattions la vie chère, qu'on avait pris des mesures pour réduire le coût de la vie, que Nancy, après nous, a bénéficié, par exemple, de l'importation de riz que nous avions fait pour casser les prix. Mais on dit riz Nancy, mais non, c'est le riz Maniga, tout le monde le sait. Nous avons combattu l'environnement, le drame, le désastre écologique. Nous avons fait notre travail là, nous avons fait venir les petits chéris pour empêcher qu'on continue à abuser de nos bois pour faire du charbon. Nous avons commencé la route de Carrefour, nous avons même payé les gens, dédommagé les gens pour que la route puisse commencer. On n'a jamais vu la route se faire après notre départ, mais ce n'est pas de notre faute. Nous avions prévu pour la jeunesse haïtienne 3 universités de technologie, Cap, Port-au-Prince, Caye. Une seule à Aîné, sous la forme d'un institut qui se trouve sur la zone numéro 1. Les 2 autres ne sont pas, on n'en parle plus. Et surtout, c'est parce que nous voulons une véritable université de technologie, avec une grande ambition pour Haïti, quand nous devons aller très haut. Nous devons viser très haut parce que le pays est très bas. C'est très important. Il y a des tas de choses que, par exemple, nous sommes préoccupés de la diète des Haïtiens. Nous avons une diététicienne qui a défini pour nous comment on pouvait faire une diète suffisante et équilibrée à partir des produits haïtiens, à partir des ressources haïtiennes, quand nous nous préoccupions de l'alimentation de l'Haïtien. C'est tout à fait naturel, normal. La corruption, écoutez, on a été, il faut le dire, un gouvernement modèle à cet égard. La contrebande, nous avons formé des brigades mixtes, c'est-à-dire fonctionnaires et police, de manière à attaquer le problème dans les ports où se faisait la contrebande. Jacques Bel, Saint-Marc, Cap, Gonaïve, etc. Ces brigades étaient en fonctionnement. On voyait que nous prenions les problèmes au sérieux. L'équipe gouvernementale, écoutez, les gens le disent, je répète après eux. On trouve rarement dans l'histoire d'Haïti au XXe siècle cette qualité de ministre constitué un cabinet ministériel. Mais c'est la vérité. Et ce n'est pas des gens du RDNP. Attention, je précise cela. Il y avait dans le cabinet, j'insiste là-dessus à chaque fois, 3 membres du RDNP et 1 sympathisant connu. Tous les autres étaient des gens à qui nous avons demandé de collaborer, qui n'appartenaient pas au parti. Est-ce que vous voyez un président de la République choisissant un ministre des Finances, position clé, qui n'est pas de son parti? Écoutez, parce que nous voulions faire des choses sérieusement, nous n'avons pas l'intention de venir prendre les caisses, voler. À ce moment-là, il faut avoir un ministre des Finances à soi pour voler. Non, un homme qui n'était pas de notre parti,
ministre des Finances du gouvernement. Il faut comprendre que nous prenions des problèmes au sérieux. Nous étions sérieux. Nous voulions faire avancer ce pays. Nous voulions enfin changer la vie dans, au pays d'Haïti. Ce sont des réalisations remarquables du RDNP. Écoutez, puis maintenant, les jeunes, la jeunesse que nous sommes en train de former, qui est l'avenir du pays. L'avenir du parti d'abord, l'avenir du pays ensuite. Mais c'est pour les jours qui viennent. Vous prenez des années qui viennent, des décennies qui viennent. Quand le travail a commencé aujourd'hui, les résultats seront dans 20 ans. Ah, voilà. Et c'est là que je dis que le peuple, nous avons éduqué le peuple haïtien. En partie, on n'a pas réussi dans tout. Mais à certaines idées fondamentales. On doit faire un développement progressif en Haïti, graduel. Et que le paysan haïtien, j'ose le dire chaque fois avec fermeté et assurance, le paysan haïtien est mieux préparé que le citadin pour admettre ce genre de raisonnement. Quand le paysan haïtien sait que son maïs qu'il plante aujourd'hui, c'est dans 3 mois qu'il aura la récolte. Pas immédiat. Il ne peut pas manger le maïs tout de suite pour l'avoir planté vendredi, il mange le maïs le lundi. Il sait que c'est 3 mois. L'avocatier, il sait que c'est 5 à 6 ans. Le manguier, il sait que c'est 3 à 4 ans. Donc quand il plante le manguier aujourd'hui, il attend le bénéfice seulement dans 3 ou 4 ans. Donc, autrement dit, le paysan, de par ses activités quotidiennes, de par la nature de ses fonctions agro-rurales, le paysan sait qu'il faut attendre des bénéfices à terme. Bon, c'est à ça qu'il faut éduquer tous les Haïtiens. Nous travaillons aujourd'hui, nous aurons les résultats dans 15 ans. Vous comprenez bien, les Dominicains, aujourd'hui, conquièrent le marché haïtien. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. C'est la grosse affaire. Mais nous autres du RDNP, l'étude des problèmes fondamentaux de ce pays, nous avons depuis 1982 écrit un article dans notre revue L'Alternative qui disait la conquête du marché haïtien par la République dominicaine. Depuis 1982, il y a 17 ans. Ah, mais oui, parce que les Dominicains ont commencé dans les années 70. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le produit de travail qui a commencé dans les années 70. C'est-à-dire qu'ils ont commencé dans les années 70 et 20 ans, 30 ans après, ils obtiennent le résultat escompté. Voilà ce à quoi il faut apprendre l'haïtien à penser, la méthode de penser, l'esprit de quelqu'un, la conception. Ça, le rôle du RDNP est fondamental. Constamment, nous écrivons, nous publions, nous avons eu l'Alternative, nous avons eu le Rassemblement, nous avons eu la Voix du RDNP, on a eu les Cahiers du Sudac, on a eu les publications dont j'avais mentionné quelques-unes, notamment la crise haïtienne contemporaine. Nous avons contribué largement à faire penser l'haïtien dans une certaine direction. Seulement, ce qui reste, c'est qu'aujourd'hui que l'haïtien est conscient de ses problèmes, voit ses problèmes, a les solutions de ses problèmes. En large partie, grâce à nous, il faut passer à l'acte. Et c'est là que nous avons un problème. Tous les haïtiens savent maintenant quels sont les problèmes d'Haïti. Il n'y a pas un haïtien sérieux, s'occupant de politique, il ne peut pas vous dire, voilà, le problème est ceci, le problème est cela, la solution est ceci, la solution est cela. Mais que faisons-nous pour apporter les solutions? Car aujourd'hui, nous savons quelles sont les solutions. Nous savons quelle est la maladie. Nous savons quel est le remède. Mais est-ce que nous allons acheter le remède à la pharmacie pour administrer le remède aux malades? Ah, c'est là que nous avons notre grande faiblesse. Nous ne passons pas à l'acte. C'est une faiblesse, c'est un déficit opérationnel en Haïti. Les gens se plaignent, les gens sont mécontents, les gens savent ce qu'il faudrait faire. Et cependant, on continue à se plaindre, à accepter, à résigner, ou à bougonner, ou à protester. Mais passer à l'acte de guérison. Ah, ça, c'est là, et c'est là le gros travail du RDNP à l'heure actuelle. Mais quand la conjoncture présente, quand c'est une conjoncture terriblement difficile, terriblement grave, le malade a besoin d'aller à la salle d'urgence, à la salle des soins d'urgence. Et c'est pourquoi nous autres, nous croyons que nous pouvons, avec la compétence qu'on nous reconnaît, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire d'équipe, à élargir, n'est-ce pas, à d'autres, mais la compétence qu'on nous connaît ou que nous pouvons réunir, avec le sérieux avec lequel nous avons donné problème, avec notre foi que le malade ne mourra pas, mais peut sortir estropié, invalide. Il faut que ce malade qui se guérisse et qui retrouve la pleine santé. Donc il faut cette compétence, il faut ce souci de guérison. Nous croyons que nous constituons l'équipe de sauvetage national du pays. Les 20 ans du RDNP consistent incontestablement à avoir réalisé quelque chose qui est nouveau dans la vie politique haïtienne et qui n'est pas courant non plus. Il n'y a pas plusieurs RDNP. Je souhaiterais qu'il y ait plusieurs RDNP, il n'y en a pas, malheureusement, mais nous en avons quand même quelques autres. Nous n'avons pas dit que nous sommes absolument les seuls, non, nous n'avons pas cette arrogance. Mais nous disons que nous avons donné au pays le premier exemple de parti structuré moderne, s'occupant sérieusement de l'action politique, sachant qu'il est un agent de l'intermédiation politique, comme les banques sont des agents de l'intermédiation financière, et que nous avons donné à ce pays l'image d'une formation qui a un objectif
un message, un programme de gouvernement, des militants, des adhérents, des sympathisants, des électeurs, comme nous allons avoir l'occasion, j'espère, de le montrer. Nous faisons tous les efforts, en tout cas pour cela, de manière à ce que nous constituions vraiment l'image d'une de ces unités de sauvetage national dont le pays a besoin, et la démocratie fonctionnant entre deux ou trois de ces unités, c'est notre idéal, et non pas 40, 50, 60, deux ou trois pour simplifier la scène, et pour clairement que montrer les options entre lesquelles le peuple doit choisir. Et, monsieur le professeur, le sénateur Hirvelt Sherry a fait cette déclaration à Washington. Je cite, « La drogue constitue une très grande menace pour la démocratie haïtienne. Elle contrôle et manipule le processus électoral actuel. Si cela persiste, la drogue contrôlera totalement, à travers les élections, le système politique haïtien et constituera une menace pour la démocratie dominicaine et pour la région. Qu'en pensez-vous ? Bon, je pense que, d'abord, le sénateur Hirvelt Sherry, je dois le dire en toute objectivité, il n'est pas de notre parti. C'est évident, il appartient à l'OPL, mais nous ne considérons pas le sénateur Hirvelt Sherry comme un adversaire et nous ne considérons pas le sénateur Sherry comme quelqu'un qui dit n'importe quoi pour la galerie. C'est un homme sérieux, c'est un homme qui lucide, c'est un homme qui s'intéresse à des dossiers importants du pays. Et j'ai toujours considéré que le sénateur Sherry n'est pas une voix partisane, mais une voix patriotique et nationale. Ceci dit, sur ce qu'il dit sur le problème de la drogue, il est incontestable que la drogue a pris une importance considérable dans la vie haïtienne, la vie sociale, la vie économique et la vie politique. Nous avons eu les premiers balbutiements de la drogue politique sous Jean-Claude Duvalier. Vous vous rappelez qu'il y avait eu quelques histoires qui avaient commencé, même des proches de Jean-Claude avaient été arrêtés à Porto Rico, etc. C'était la grande première, tiens, Haïti dans la drogue. On ne s'y attendait pas. Bon, puis ça s'est développé depuis, malheureusement, et c'est devenu un problème aussi sérieux que le sénateur Hirvelt Sherry le décrit. C'est effectivement un gros problème. Et vous savez, dans un pays aussi pauvre que chez nous, la drogue peut faire des ravages considérables. D'abord parce que les gens ont besoin urgent d'argent immédiat liquide. Et la drogue est l'un des moyens par lesquels on obtient l'argent immédiat liquide, c'est évident. D'autre part, on ne fait rien pour avoir ça. On ne fait rien, il suffit simplement d'être placé dans un circuit, dans un réseau. Donc, il n'y a pas à travailler pour, il y a à recevoir et transmettre, surtout quand on bénéficie de l'impunité sous un régime favorable ou sous un régime indulgent ou complice. Donc, il y a là quelque chose. Ensuite, allons plus loin. Ce qui est grave en Haïti, c'est que dans un pays aussi pauvre, les gens ayant besoin d'être riches très vite ne trouvent comme activité quotidienne, sociale, économique, mais aussi politique, parce qu'ils ont besoin de moyens politiques. Que de recourir à la drogue. Et nous entrons dans un phénomène qui était inconnu chez nous, la narcopolitique. Haïti, ce n'est pas seulement un pays où le trafic de la drogue est devenu important comme passage, comme transition vers les États-Unis, à travers parfois la République dominicaine ou même Porto Rico. On a évalué que 20% de la drogue consommée aux États-Unis, venant de Colombie, etc., passerait par Haïti. 20%, c'est énorme. Énorme. Donc, je crois que le sénateur Hirvelt Sherry a raison de jeter l'alarme sur la gravité de la situation, d'autant plus que la drogue, quand elle pénètre quelque part, il est difficile qu'elle en sorte. On ne connaît aucun pays jusqu'à l'heure actuelle, aucun pays à s'être débarrassé de la drogue quand la drogue s'y est installée. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux phénomènes qui sont graves, et je crois que Jean-Claude Hirvelt Sherry les souligne. Premièrement, c'est que le contrôle des réseaux amène au contrôle du territoire. Les trafiquants de drogue ont besoin de sécurité. Ils trouvent d'abord dans certains pays la sécurité concrète de leur propre organisation, puis la sécurité réelle de régimes complices, puis l'établissement d'un contrôle du territoire, d'un contrôle du pays pour permettre l'acheminement facile de la drogue vers les points de destination. Donc il y a effectivement le problème d'un pays qui se trouverait entre les mains des caïds de la drogue en parfait contrôle. C'est le premier risque de la situation, la première menace grave. Mais la deuxième concerne notre avenir de peuple, notre avenir d'homme. Parce que vous savez, Haïti n'a pas l'argent pour consommer la drogue comme aux États-Unis. La drogue va aux États-Unis, mais une partie reste toujours au pays. D'autant plus que le paysan ne sait pas ce que c'est.
On m'a raconté des tragédies, par exemple, dans la région du sud-est ou du sud, où des paquets de drogue sont lancés soit à la mer, soit à partir d'avions sur terre. Des paysans, ça tombe dans la tête des paysans, ils croient que c'est de la farine, et puis ils vont consommer, vous comprenez? Alors que manifestement, le paysan n'a pas envie de consommer de la drogue, mais ça part. Il croit que c'est de la farine qui est tombée du ciel, une manière d'envoyer la nourriture, et il croit que c'est une nourriture qu'il peut consommer. Même temps, allons à la jeunesse. La jeunesse, elle, va consommer la drogue de manière délibérée, consciente et malheureusement systématique. Or, tout le monde sait, il suffit de visiter les centres où l'on essaie de guérir les drogués pour voir la dégradation humaine qui attend le drogué. La dégradation. Moi, j'avoue que j'ai été absolument impressionné de visiter de tels centres en France et au Canada. C'est terrible, c'est la déshumanisation qui se fait, c'est la dégradation de l'organisme et du mental, de l'intelligence. Nous ne pouvons pas promettre à notre jeunesse un tel avenir. C'est évident, c'est grave. D'autant plus que ce n'est pas seulement la jeunesse dorée qui passe ses loisirs à consommer de la drogue, c'est aussi la jeunesse pauvre. Et cette jeunesse pauvre, comme elle n'a pas l'argent, elle va voler pour acquérir la drogue. C'est la délinquance dont la drogue est l'origine, la source. C'est bien connu dans les pays étrangers. Ça se fait maintenant chez nous, vous comprenez. Un pays qui a déjà tant de malheurs, un pays qui a déjà tant d'infirmités, un pays qui a déjà tant de déficits, un pays qui a déjà tant de handicaps, un pays qui a déjà tant de choses atroces, aujourd'hui féroces sur le plan politique, voilà que vous allez ajouter la calamité de la drogue à ce qui nous est promis. Non, je crois qu'il faut réagir, et je crois que Tadeu Velchiri a raison d'avoir insisté sur l'importance du trafic de la drogue et les dangers de la drogue. Maintenant, s'il y a des aspects plus particuliers propres au sénateur Velchiri de ces affirmations, qui sont des accusations, évidemment, il en prend la responsabilité. Je n'ai pas personnellement, les éléments de dossier qui lui ont permis de faire certaines affirmations directes et précises sur le plan politique. Je sais que c'est un homme sérieux. S'il le dit, c'est qu'il a des raisons de le dire. Il est fondé à le dire. Cependant, moi-même, je ne peux que le citer et répéter après lui. Je ne peux pas affirmer de moi-même parce que je n'ai pas les éléments qui lui ont permis de faire ces déclarations. Mais je crois que c'est un problème important. Il a attiré notre attention sur quelque chose qui doit être l'objet d'une vigilance de la part de l'intérêt public. Monsieur le professeur, le climat d'insécurité qui existe en Haïti permet-il la tenue des élections honnêtes et crédibles? Je réponds tout de suite non, sans hésitation. On n'a pas besoin d'avoir de nuances sur la question. Le climat d'insécurité tel qu'il existe à l'heure actuelle rend, je dis quasi impossible, c'est une concession que je fais verbale, mais en réalité il faut dire impossible, rend quasi impossible des élections sérieuses, correctes et décentes. Je n'ai pas question d'élection démocratique, évidemment. Je parle d'élection décente en Haïti. Le climat actuel ne le permet pas. L'insécurité a atteint un comble en Haïti. Et cette insécurité est telle que chacun se sent visé. Chacun peut être victime. Donc une insécurité générale, une insécurité quotidienne, une insécurité délibérée est voulue pour créer le climat de peur, le climat d'être. Intimidation, l'opération d'intimidation et même, disons-le, un état d'esprit de panique, car vous ne vous imaginez pas. Vous êtes à l'extérieur, mais vous avez des nouvelles. Il y a des gens qui, à l'heure actuelle, vendent leurs biens pour quitter le pays au plus vite. Non, je connais plusieurs cas autour de moi. D'autres en connaissent aussi, parce que c'est un phénomène, c'est un courant. Les gens, le président du BED lui-même, du CEP lui-même, Manus, l'a dit il y a deux jours. Et je ne sors plus la nuit. À la tombée du soleil. Au coucher du soleil, les gens sont chez eux. Ne sortent plus. Parce que la rue appartient à d'autres. Et même en pleine journée, les Zinglendos agissent. Les Zinglendos, on sait ce que ça veut dire. Il y a plusieurs variétés de Zinglendos. En dehors des bandits tout court, on sait qu'il y a des gens qui sont commandités pour faire le crime. Ils font le crime absurde. Le crime qui est apparemment gratuit. Par exemple, on a mitraillé un jeune, le jeune Léonidas, sous sa galerie. Personne n'a essayé de monter pour prendre sa bourse ou son portefeuille. En partant, pas du tout. On l'a simplement mitraillé sur sa galerie. Autrement dit, ce sont des crimes gratuits à effet spectaculaire, de manière à
instaurer une peur quotidienne, permanente, dans tous les comportements des citoyens. C'est évident que si cette peur existe à ce niveau-là, si cette insécurité arrive à ce paroxysme chez nous, écoutez, où est la sécurité pour les candidats qui vont faire campagne? Quand on voit ce qui s'est passé le 28 mai, quand on voit ce qui s'est passé au Parc Vincent, quel est le candidat qui va sortir en sécurité pour faire campagne? Quel est l'électeur le jour du vote qui va se présenter pour voter quand il craint qu'un attentat ait lieu, un assaut ou une reddition du 29 novembre 80-87, tout ceci est dans l'air. Autrement dit, il y a une menace qui pèse sur les élections, plus qu'une épée de Damoclès, une menace concrète, réelle, quotidienne, sur la tenue des élections. Peut-être que des gens ne veulent pas de ces élections. C'est évident. On a fait une tactique dilatoire. Comprenez bien la situation haïtienne. Tout, vous savez, je suis un historien, je fais toujours appel à une évolution des choses. Nous aurions dû avoir des élections en novembre-décembre 98, puisque le président Préval nous a déclaré le 11 janvier que le Parlement est caduque. Si le Parlement est caduque en janvier 99, on aurait dû avoir des élections en novembre-décembre 98 pour avoir les remplaçants de ceux qui partaient en janvier, comme le président Préval l'a déclaré. Il n'a pas fait ses élections. Il était chef d'État. Attention, l'actuel CEP n'était pas là. On ne peut pas dire que c'est un membre actuel du CEP qui est responsable. Mais lui, il était chef d'État. Donc, il avait en charge d'organiser les élections, de les faire organiser par le CEP. On n'a pas eu ça. Donc, en janvier, Parlement caduque. On est en situation de dictature. Car le Parlement n'a pas de contrôle du pouvoir exécutif. C'est la définition élémentaire de la dictature. Un homme qui gouverne seul par lui-même fait ce qu'il veut, selon ses caprices. Son caprice, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite, il n'y a quoi? Il n'y a rien. Donc, on est sur, c'est-à-dire, on va faire des élections avec un homme qui est en situation de dictature. Mais c'est des choses déjà compromises. C'est le premier accro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous dit il faut attendre l'année prochaine pour l'échéance. Mais ce n'est pas vrai. On a trompé le peuple haïtien. À partir du moment où les élections n'ont pas eu lieu en décembre 2018, le Parlement est caduque. On le renvoie, il le renvoie de force. Il coupe le budget, il enlève les voitures, tout. Mais à partir du moment où il faut faire des élections tout de suite pour les remplacer. Il n'y a pas une échéance d'un an, ce n'est pas vrai. Il faut tout de suite faire des élections pour remplacer ceux qui sont partis. On a attendu un an, tout le monde était d'accord sur le prétexte des échéances constitutionnelles qui n'existaient pas que dans l'esprit des manipulateurs de l'opinion, de ceux qui nous ont pris dans le piège. Mais on a attendu un an. Mais maintenant, attendant un an, on a dit bon, on va faire des élections en novembre. En novembre, non, ce n'est pas possible. On va la faire en décembre, avec second tour en janvier. Et voilà qu'aujourd'hui, on va la faire en mars. On est supposé vouloir la faire en mars. Et on a attendu avant de dire le deuxième tour. Pourquoi? Et quand on a dit le deuxième tour, on a mis le deuxième tour 6 semaines après. 6 semaines après. Il y a manipulation évidente. De manière à créer une situation de différer, jusqu'à arriver à quoi? À ce que, ouvertement ça se dit, les organisations populaires le disent, même Dupuis l'a dit, avoir une seule élection en novembre-décembre. Autrement dit, on veut réaliser le télescopage de deux échéances électorales distinctes pour en faire un seul bouillie vidée, où on peut dire de la tête aux pieds, mettez telle croix, mettez le coq, etc., comme c'était en 90, et on fait passer ces gens sans savoir qui est candidat. On a besoin de savoir maintenant qui est candidat. On n'a qu'à mettre la croix là où il faut, et puis c'est fini, tout le monde passe. Mais ce n'est pas sérieux. Vous comprenez bien, quand vous voyez un parti politique, et je suis très ferme à cet égard, je ne le dis pas parce que c'est Aristide ou Lavalasse, Aristide ça ne m'intéresse pas. Je dis un parti politique. Il se trouve que c'est le parti d'Aristide de la Palace. C'était tout autre, je le dirais de la même façon. Ce n'est pas contre Aristide que je suis contre la pratique et la méthode. Quand vous voyez un parti politique dire il est contre des cartes électorales avec photo, mais écoutez, dites-nous, la carte électorale avec photo pose des problèmes. Comment vous allez faire pour atteindre tous les pays là où ils le sont? Je vous prends au sérieux si vous le dites. Et je dis donc il y a un problème à résoudre. Maintenant, je ne dis pas que vous êtes contre la carte électorale avec photo. Parce que c'est une garantie essentielle pour éviter un certain nombre de fraudes, surtout que la photo se trouve aussi sur le registre. C'est une acquisition démocratique et de progrès. Vous êtes contre. Dans l'affaire des 19 sénateurs, vous en faites une condition sine qua non, alors que ces messieurs, soi-disant élus, n'ont jamais été validés. Écoutez, c'est une réalité. Il faut simplifier, faciliter le déroulement des élections. Non. Maintenant, bon, ils sont contre la date, évidemment, les procédures, le conseil. Mais là encore, parce qu'ils ne contrôlent pas tout à fait le conseil.
l'espace de concertation a au moins 3 représentants au Conseil. Eh bien, parce que l'espace de concertation qui s'est fait complice du gouvernement dans cette affaire, je le regrette personnellement, j'en suis même malheureux, parce que l'espace de concertation comporte des partis que nous avons l'habitude de considérer comme démocratiques et jouent avec nous le jeu démocratique du changement. Bon, bref, ils ont commis ce qui est à mes yeux une erreur évidente, et ils ont accepté d'entrer dans une coalition et de participer au conseil, au comité électoral. Mais là, voilà, c'est furieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle des neufs. Ils voulaient les neufs. Comme avant, de manière totalement sûre de faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Il y a un camp qui montre à l'opinion publique qu'il ne veut pas d'élections correctes et ne veut pas des élections qui viennent. C'est pas nous qui les identifions, c'est eux qui s'identifient. Ce qu'ils ont fait le 28 mai, ils ont interdit une manifestation où un point de vue différent du leur allait s'exprimer. Ils l'ont interdit, ils y ont mis fin et ils ont dit qu'ils étaient la valance. Ils ont dit, c'est eux qui sont identifiés. Le 28, à la cathédrale, la même chose, ils se sont identifiés. Et ils ont fait une manifestation sacrilège à l'intérieur de la cathédrale. Mais ils se sont identifiés, vous comprenez bien. Donc à ce moment-là, vous avez clairement un parti qui, par sa stratégie, met en cause le sérieux des élections, la correction des élections et même la possibilité d'avoir des élections. Alors le problème est simple. Ou bien, puisqu'ils ne veulent pas faire des élections correctes, il faut les obliger à les faire, effort national, effort international, ou bien ce n'est pas eux qui les feraient. C'est la logique. Je ne dis pas il faut faire ceci ou cela, le pays doit savoir ce qu'il doit faire. Mais si on a un parti politique souché au pouvoir, avec des moyens importants, de l'argent, l'administration de ce côté, une partie de la police, des fanatiques, un certain appui international partiel, parce qu'ils ont perdu à cet égard, et surtout des hommes de main armés, mais si un tel secteur s'oppose à la tenue d'élection démocratique, correcte et libre, eh bien le pays doit se dire, il faut les y forcer, comment? Ou alors, il faut que ce ne soit pas eux qui fassent ces élections. Voilà, ça me paraît d'une logique totale. Sinon, on sait déjà à quelle sauce on va être mangé. Monsieur le professeur, on parle d'une éventuelle alliance entre l'OPL et le RDNP. Pouvez-vous nous donner plus de précisions? Oh, vous savez, on a battu la grosse caisse autour de quelque chose qui était seulement en train de germer. On a été jusqu'à faire du sensationnalisme dans les médias au sujet d'une alliance entre l'OPL et le RDNP. Mettons les choses à leur place. Il y a eu une déclaration d'un membre de l'OPL qui s'appelle M. Sauveur Etienne. Et il a été le premier, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les deux parties, à annoncer qu'il y avait effectivement quelque chose en train entre l'OPL et le RDNP. Puis, le même Sauveur Etienne a fait une deuxième déclaration devant la sensation soulevée par sa première déclaration. Il a fait une seconde pour confirmer qu'il y avait effectivement quelque chose. Je dis qu'il a été honnête. Hein. Simplement, il a, à notre avis, révélé quelque chose, mais ce n'est pas de sa faute si les médias s'en sont emparés et en ont fait une affaire extraordinaire. Puis le sénateur Yvel Chéri, devant l'ampleur donnée à la nouvelle, le sénateur est intervenu et a fait une mise au point que nous avons qualifiée d'excellente, disant les choses comme elles sont, disant aussi quelles étaient les espérances possibles et nous avons dit, après ce qu'a dit le sénateur Yvel Chéri, c'est à ce moment-là seulement que nous sommes intervenus nous autres, après ce qu'a dit le sénateur Yvel Chéri, il n'y a plus rien à ajouter, ce serait prématuré. Voilà tout ce que les partis ont dit à ma connaissance. Après, Gérard Blanchard est intervenu à Moment Créole, à d'autres émissions, pour dire qu'effectivement, il y a un des pourparlers, etc. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Je suis ferme et clair à cette égard. Deuxièmement, il n'y a même pas d'accord formel. Il n'y a aucune formalisation d'accord entre le RDNP et l'OPL. Donc, il n'y a rien qui soit formellement, institutionnellement, publiquement nouveau sur la scène politique en ce qui concerne l'OPL et le RDNP. Je tiens à être clair à cet égard. Il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas dire le contraire de la vérité. Il ne faut pas prendre des soupirs pour la réalité, des vœux pour la réalité. Il n'y a rien de tel. Cependant, et c'est dans le cependant que c'est important, il y a eu un rapprochement
entre l'OPL et le RDNP. C'est vrai. Ce rapprochement a été objectif, c'est-à-dire que nous nous sommes trouvés sur les mêmes positions. Après l'accord du 6 mars entre l'espace de concertation et le gouvernement, nous sommes les partis qui sont restés sur la ligne stratégique d'une opposition à ce qui se fait à l'heure actuelle, parce que nous sommes contre, parce que c'est mauvais pour le pays, on ne peut pas s'y associer, on ne peut pas y être complice, on ne peut pas y participer, on ne peut lui apporter aucun appui, il faut une stratégie oppositionnelle. Nous nous sommes trouvés d'accord sur cette situation-là. Bon. Maintenant, bien sûr, il y avait des rapports personnels entre les dirigeants qui ont facilité quelques contacts. Puis il y a eu des conversations. Oui, c'est vrai, il y a eu des conversations. Et ces conversations ont révélé quoi? Qu'il y a, en perspective, des possibilités d'accord entre l'OPL et le RDNP sur certaines zones bien déterminées. On a exploré, on n'a pas fini, on est en cours, mais on a exploré ces zones d'accord, on a trouvé que bon, il y a peut-être ceci qu'on viendrait, des deux côtés, au cours des échanges intellectuels, des échanges d'idées. On a abouti à un ensemble de points de convergence entre l'OPL et le RDNP. Ceci n'a pas été formalisé, pas encore. Donc on continue à explorer ensemble jusqu'où on pourrait aller. Dans une négociation de ce genre, quand ça prend du temps, oh, ça doit prendre du temps, nous sommes des partis sérieux. On ne va pas faire un bruit vidé juste pour la démagogie et pour la galerie. Quand ça prend du temps, qu'est-ce qui se produit? Les faits ont été excellents, parce que dans l'opinion publique, on a largement approuvé l'idée de rapprochement et même d'une alliance, comme les gens l'ont dit, entre l'OPL et le RDNP. Les gens ont dit, ah, c'est ce qu'il y a, il faut le faire, on a espoir, s'il y a ça, il y a une alternative, etc. Bon, ça a été très bien accueilli, je dirais à 90% parmi ceux qui ont opiné, les gens ont opiné en sens favorable. Bon, il y a 10% qui n'étaient pas d'accord, c'est normal. Et puis il y a surtout tous les autres. Bon, c'est normal que la famille ne soit pas d'accord, mais ici nous parlons des gens qui regardaient les deux parties sans être partisans de la famille. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui qu'étant donné que ça a été annoncé depuis déjà quelques semaines, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une difficulté? Et certaines personnes dans les deux camps commencent à dire, est-ce que vraiment c'est une alliance, c'est une chose désirable? Est-ce qu'il n'y a pas des objections? Autrement dit, il se produit ceci, qu'une fois la dynamique de l'alliance annoncée, les gens deviennent impatients et deviennent interrogateurs. Ou bien ils supposent qu'il y a des difficultés là où il n'y en a pas, ou bien ils commencent à se dire, cette histoire que nous avons prise avec enthousiasme au début, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Est-ce qu'il n'y a pas des dangers? Si bien que, à mon sens, et je donne mon opinion personnelle, à mon sens, plus ça traîne, plus ça met en cause l'ampleur et la solidité de l'espace d'accord entre les deux parties. Mais là, c'est une stratégie qui n'est pas nôtre. C'est une stratégie de deux parties. Ce n'est pas le RDNP. Le RDNP peut-être souhaiterait un rythme un petit peu plus rapide ou moins lent à l'évolution des choses. Mais je comprends fort bien qu'un partenaire sérieux puisse avoir à tenir compte de ce nombre de circonstances, du passé, de sa propre structure, de sa base, etc. Donc, il y a ce que nous considérons, nous, du RDNP, je le dis avec toute la franchise qui me caractérise, il y a une lenteur des choses que nous ne considérons pas comme la condition idéale pour la réussite d'un véritable accord sérieux après lequel il n'y aurait pas de gang. Ce que nous voulons éviter, c'est annoncer un accord et puis après montrer qu'on n'est pas en accord, qu'on est en désaccord. Comme ça se voit dans des groupes politiques qui disent nous sommes d'accord et puis quand il y a des difficultés, chacun dit séparément ou fait séparément. Nous pensons que s'il faut faire quelque chose, je dis bien s'il faut, je ne dis pas il va falloir, on est en train, je dis s'il faut faire quelque chose, ce qu'on considère, eh bien pour le faire, il faut que ce soit sérieux, profond, durable. Et que ceci puisse aller, si possible, nous le souhaitons, au-delà d'un accord électoral pour envisager la direction de solution des problèmes du pays. Et ça, c'est sérieux, ça prend du temps, c'est évident, on ne peut pas faire ça très vite. Voilà ce que je peux dire sur le rapprochement incontestable. Mais sans accord formel jusqu'ici, sans aucune alliance, mais le rapprochement incontestable entre l'OPL et le RDNP. Monsieur le professeur, pouvez-vous faire le résumé de la situation sociopolitique du pays? Bon, oh là là, bon, vous me posez là une question de colle, comme on dit aux examens des étudiants.
Écoutez, moi je dirais qu'il y a à l'heure actuelle une accélération de l'histoire en Haïti. Une accélération de l'actualité politique. Les choses deviennent plus denses. Les choses deviennent plus lourdes. Quand on va en Haïti, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pèse sur les esprits des gens, sur les cerveaux. Une chape de plomb. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Haïti est malsain, d'abord. Il faut le dire avec force, est malsain. Et deuxièmement, ce qui se passe en Haïti va à un rythme tellement accéléré qu'on ne sait pas où ça peut brusquement nous mettre comme pays, comme peuple, comme État et comme nation. D'abord, les choses sont malsaines en Haïti. Tout se fait en dehors des normes. Le gouvernement actuel ne fait les choses que, un, s'il trouve un intérêt politique, deux, s'il trouve un intérêt financier, car ce sont des grangeurs, c'est eux-mêmes qui ont dit, c'est pas nous qui nous les cités. Ou troisièmement, s'ils sont obligés de le faire pour ne pas perdre de pouvoir ou sous pression internationale. Autrement dit, il n'y a pas un souci du bien public, du bien commun, qui amène à prendre tel risque, à oser telle politique avant de l'audace de réalisation. Non, on agit que si, un, il y a un profit politique à tirer. Deux, un intérêt matériel à satisfaire, s'enrichir. Trois, on est contraint, soit par la situation intérieure, soit surtout par la pression de la communauté internationale. Autrement dit, avec un tel régime, on ne s'occupe pas de manière sérieuse des problèmes sérieux pour trouver des solutions sérieuses. Regardez les réalisations dites du gouvernement. Allez voir la route des Titaniens, qui devait être inaugurée il y a 2 ans. C'est une route déjà en lambeaux. Déjà en lambeaux. Eh oui, allez voir le sud, la route du sud. Elle devait être terminée depuis longtemps, l'argent a été décaissé. La moitié n'est pas faite, et la moitié qui est faite imparfaitement. La route pour Presqu'île. Allez voir la route qui mène au plateau central. De la route nationale numéro 1 vers le plateau central. Elle aurait dû déjà être terminée, l'argent est dépensé, la route est loin d'être achevée. Écoutez, c'est pas par hasard. Si un cas se produit, on peut dire, ah, c'est une erreur, c'est une faute, un tel est responsable, c'est telle compagnie, tel ingénieur. Mais c'est tous les projets de route stratégique transversale, qui est ce qui est très important, quand ces routes, on en a besoin. Mais ces routes sont dans un état lamentable, ne sont pas achevées, l'argent a été dépensé. Où est passé l'argent? C'est pas sérieux. Tous les comportements des gens au pouvoir montrent que nous sommes entrés dans une période où l'immoralité publique est la norme. Et ceci est malsain. Le piège. Il n'y a plus de parole d'honneur. On est intelligent quand on trompe quelqu'un. Vous comprenez? Voilà des nouvelles normes du pays. On est intelligent quand on trompe quelqu'un. On est supérieur en intelligence à quelqu'un quand on a réussi à le tromper. Voilà les critères de comportement. Et on a besoin de quelque chose, on le prend. On le prend. On ne travaille pas pour. Le travail productif, là, ici, sans oublier cela. On prend ce dont on a besoin à quelqu'un qui l'a. On ne sait pas de quelles conditions il l'a obtenu. Quel sacrifice il a fait pour l'avoir? Il a travaillé pour l'avoir. Sa voiture, un beau jour, pop, sortait. Le chauffeur s'en va, le propriétaire chauffeur s'en va, et puis on s'en va. Avec, ou bien on conduit ouvertement à Port-au-Prince, avec, ou bien on envoie avant la République dominicaine. Vous comprenez, il s'est produit quelque chose dans ce pays. Une déliquescence morale qui atteint toutes les couches de la population, de la tête aux pieds. Même le peuple, le petit peuple affamé, est obligé de se débrouiller. Et alors, chacun vous dit en Haïti aujourd'hui, ah, ma petit business. Qu'est-ce que c'est que faire un petit business en Haïti aujourd'hui? Chacun fait un petit business. C'est-à-dire qu'il faut trouver un petit argent à se mettre quelque part. On le fait de n'importe quelle façon, n'importe comment, etc. Donc, il n'y a plus de règles morales, il n'y a plus de normes à respecter, il n'y a plus de travail productif. Il s'agit simplement d'avoir. C'est grave. Le pays est malsain. Dans tous les comportements, dans le climat est malsain, on le sent. Je dis un mot très fort, c'est malpropre. Ce qui se passe à l'heure actuelle. Et ce n'est pas seulement physiquement malpropre, où dans les rues on voit les excréments, n'est-ce pas, portés par les eaux des rigoles, ou bien n'importe qui. Écoutez, les Haïtiens sont arrivés à un point, je m'excuse de dire ça, mais il faut dire la vérité, parce qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est inacceptable ce que je fais à l'heure actuelle. N'importe qui. Je ne dis pas n'importe quel haïtien, mais n'importe où à Port-au-Prince. On peut voir le spectacle de quelqu'un qui s'arrête et qui fait pipi sur l'aile d'une voiture, l'aile avant, l'aile arrière d'une voiture. En pleine ville, face à la banque centrale du pays, je le vois constamment. Ou bien quelqu'un qui s'arrête, qui se met à côté et qui fait le plus grand besoin.
il n'y a pas de latrine publique, il n'y a pas de Vespasienne, il n'y a pas de gens, pas un bar ou autre. Quand vous êtes à l'étranger, vous entrez dans un bar, vous allez à la toilette. Mais ça n'existe pas. Et là, j'ai besoin, et ils sont 2 millions presque, en tout cas, certainement plus de 2 millions et demi dans l'agglomération Port-au-Prince. C'est des gens qui ont des besoins. Il n'y a pas de service. Les services n'ont pas cru. La population est passée de 250 000 à 1 million et demi. Mais les services ne sont pas étendus pour donner ce qu'il faut à ces populations pour vivre et répondre à leurs besoins. Donc, je te dis, donc on fait n'importe quoi. Le pays n'est pas seulement physiquement malpropre. Le pays est aussi moralement malpropre. Voilà où nous en sommes. Mais c'est le premier aspect de la tragédie. Le deuxième aspect de la tragédie haïtienne, c'est que les choses brusquement se mettent à un rythme accéléré. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu, un, le renvoi de Manuel. Immédiatement après l'assassinat de l'ami. Immédiatement après l'affaire de la cathédrale, au funérail de l'ami. Après, vous avez eu l'affaire du parc Vincent. Vous avez eu le massacre de Carrefour fait le 28 mai. Vous avez eu le massacre de Carrefour dans la nouvelle série. C'est-à-dire que, à un certain moment, on se dit, mais où allons-nous? On a le vertige de la peur et de la panique. Et le pays est arrivé à un point. J'ai dit, les gens ont été étonnés que j'ai dit cela, mais j'ai pesé mes mots. J'ai dit, de mémoire d'homme et de mémoire d'historien, on n'a jamais vu une situation de cette qualité-là. Et j'insiste, de cette qualité-là. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu pire avant l'occupation américaine, le pays était en anarchie totale. C'est ce qui explique qu'on a assassiné un chef d'État réfugié dans une ambassade, on l'a coupé en morceaux, on a traîné des morceaux dans les rues. C'est évident que c'était le fond de la rigole politique. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des situations qui aient été à un certain moment pire, momentanément pire, des événements. Je dis que c'est la première fois qu'on a cette qualité-là qui dure, comme j'aime dire, la catastrophe qui végète et devient la norme. De jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et c'est ça qui est grave. L'Haïtien s'enlise dans une situation catastrophique. Il le sait. Il proteste, il est mécontent. La déception est énorme. Combien de Lavalassiens de 1990 qui aujourd'hui sont insatisfaits, déçus, mécontents et critiques? Car ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. En 90, ils ont confié leurs espoirs, ils ont investi leurs aspirations dans un homme et dans une formule. Et en 99, le pays est dans une situation pire. Le peuple avait été manipulé par Duvalier au nom de la réparation sociale. Le peuple vient d'être mystifié par Aristide au nom de la justice sociale. Voilà ce qui est arrivé au pays. Vous me dites un résumé, je crois que c'est ça, un résumé de ce qui est arrivé au pays. Il y a eu manipulation des masses populaires, en leur nom, pour une réparation sociale. On a investi ça en Duvalier. Duvalier a manipulé les masses. On sait comment, les fameuses manifestations, on faisait venir les gens pour Port-au-Prince. Duvalier est responsable, Duvalier est responsable en partie de l'accumulation des bidonvilles dans la région Port-au-Princienne, avec des gens venus de l'intérieur. Duvalier a manipulé les masses. De manière remarquable, de manière géniale, mais de manière mauvaise pour le pays. Le résultat était la catastrophe. On a dû faire partir le régime. C'est un mécontentement général. Et l'allégresse quand ils sont partis. Mais Aristide est venu. Qui était l'opposé de Duvalier? En principe. Le contraire. Après le poison, l'antidote. Eh bien, l'antidote s'est révélé un poison. Eh oui. Puisque qu'est-ce qu'on a? On a par rapport à tout ce dont, contre quoi on protestait. On a les mêmes méthodes. On a les mêmes pratiques sous d'autres noms. La corruption, on promettait la propreté et la transparence. La corruption est pire que sous Duvalier. Et un homme de Lavalas, le curé de Sainte-Hélène, qui est un radical aristidien, a dit qu'en quelques années, les hommes de Lavalas, c'est-à-dire les hommes d'Aristide, ont plus volé que les hommes de Duvalier en 29 ans. Ce n'est pas l'opposition qui l'a dit, nous avons entendu. Donc vous comprenez, là il y a une déception immense. C'était un prêtre qui allait venir établir le régime de la paix. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. On voit le crime triompher, les assassinats odieux, des pièges sanglants donnés aux gens. Mais écoutez, c'est pas ce à quoi on s'attendait. La vie chère. On se disait, bon, maintenant on va avoir un régime qui travaille pour le peuple. Le peuple va pouvoir enfin manger, se loger, etc. Mais la vie est plus chère qu'avant. Les gens sont aux abois.
Les gens cherchent le pain quotidien. C'est ça qu'ils ne vous laissent évidemment pas. On parlait de dignité, de résistance à l'impérialisme. Charlemagne, Peraltement. Et puis écoutez, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'invasion militaire étrangère sollicitée par l'invitation d'Aristide. On a eu l'étranger maître chez nous, décideur dans tous les domaines. Le contraire. Autrement dit, c'est le contraire de ce qu'il avait promis. Donc on a un nouvel échec. Échec de l'expérience du Valérien, échec de l'expérience de la Valencienne. C'est clair. Alors, il y a des gens qui étaient à la Valencienne en 90, quelle situation ils se trouvent? Il y en a qui sont honnêtes et qui disent, ah non, c'est parce que nous voulions. Moi, je dis qu'ils sont sincères, car ils voulaient le bien du pays. Ils croyaient que c'était là le bien du pays. Ils constatent que non, ils disent non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait. C'est pas possible, c'est pas ce que nous voulions. Ça, ce sont des gens honnêtes. Moi, je dis que c'est avec ces gens-là qu'on va reconstruire le pays. Avec les gens qui étaient de la Valencienne en 90 et qu'aujourd'hui ne le sont plus parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. C'est donc des hommes qui étaient sincères. C'est-à-dire que d'autres voulaient simplement prendre le pouvoir, avoir les avantages, ils les ont, tant pis pour le peuple et des promesses. Ah, ceux-là sont dangereux. Ah oui, ceux-là sont dangereux pour le pays. Et puis il y a une dernière catégorie de gens qui sont sincères, ils sont honnêtes. Ils étaient en 90, ils ont quelques difficultés à changer. Ils n'osent pas changer. Ils ont honte d'admettre qu'ils se sont trompés en 90. Et alors ils continuent à défendre l'indéfendable. Alors moi je crois qu'il faut faire un effort auprès d'eux pour qu'ils acceptent que simplement que c'est une erreur. Tout le monde commet des erreurs. C'est une erreur qu'il faut corriger et qu'il faut trouver maintenant la solution correcte, la voie correcte de reconstruction du pays. C'est la raison pour laquelle nous croyons que ceux-là aussi, il faut les travailler, il faut les persuader politiquement de manière à ce qu'ils rejoignent eux aussi sans problème le camp de ceux qui vont reconstruire le pays. Car nous ne jetons aucune exclusive contre des gens. Ils avaient dit « ma coup de paladin ». Seulement, « ma coup de paladin », ça signifiait « tous les duvalieristes ». Ce n'est pas les sbires assassins et criminels. Tous les gens qui ont été duvalieristes. Écoutez, vous allez mettre de côté la majorité de la population à un certain moment. Car à un certain moment, la majorité de la population était derrière Duvalier. Je ne dis pas qu'au départ, lors des élections, cette majorité était là. Je ne dis pas qu'à la fin, non. Mais je dis qu'à un certain moment, la majorité du pays acceptait Duvalier. Les opposants étaient minoritaires ou malheureusement enterré parce que tué, ou en prison, il y en avait beaucoup, ou en exil, on avait une quantité extraordinaire. Donc le pays, à un certain moment, acceptait Duvalier. Alors si vous dites les duvaliristes, vous allez exclure une bonne partie du pays, c'est pas possible. Vous comprenez? Il est grand temps que les Haïtiens fassent le départ. Quelqu'un vote Duvalier en 57, c'est son droit. Il peut placer les sons d'espérance dans Duvalier. Seulement quand le régime montre qu'il est mauvais, ah, c'est s'il continue à l'être qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas un ancien duvalieriste qu'il faut écarter. Au contraire, il faut les rappeler à nous. De même pour les anciens, je viens de le dire, il faut les rappeler à nous parce qu'ils reconnaissent que ce qu'ils voulaient, c'est parce qu'ils ont obtenu. Il faut maintenant, et c'est le thème fondamental, il faut maintenant une unité, une large unité pour sauver le pays. Nous préconisons cette unité. Nous disons que cette unité a quatre dimensions. D'abord, l'unité du pays, l'unité du peuple. Deuxièmement, l'unité entre les leaders politiques. Ah, c'est difficile, nous venons de le voir par des exemples cités. Une unité de plateforme politique démocratique, derrière quoi tout le monde se range. Et enfin, une unité de stratégie, qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour sauver le pays. Voilà ce que dit le RDNP. Le RDNP ne préconise pas l'unité pour barrer la route au retour d'Aristide. Ça, c'est une unité contre une personne. Non, pas du tout. Nous préconisons l'unité, premièrement, pour faire face, pour s'opposer à toute menace de dictature, d'où qu'elle vienne, de droite ou de gauche. Toute dictature, de quelque signe que ce soit, nous sommes décidés à combattre cette dictature. Il se trouve aujourd'hui que le camp qui se trouve dans la situation de menacer la démocratie, se trouve être le camp de la balance, le camp de la famille. Mais ce n'est pas parce que c'est Aristide ou la famille, c'est parce que simplement, malheureusement, par leur comportement depuis longtemps, par leur comportement plus clair depuis le 28 mai, par les affirmations, par les manifestations, par l'action des organisations populaires, par les positions d'intransigeance, par les sécurités créées, voulues et délibérées, nous constatons que malheureusement, ils sont identifiés comme les gens qui constituent à l'heure actuelle la menace à la paix, à la sécurité et au développement du pays. À ce moment-là, c'est clair que nous disions non à cela. C'est à eux que nous disons non, parce que c'est eux qui sont dans la situation. Mais ce n'est pas ça qui est suffisant pour le RDNP. Nous disons que même s'il n'y avait pas cette menace contre la démocratie, car ici, le Canavalas représente aux yeux de tous les démocrates en Haïti, y compris de ceux qui étaient la Valassie en 90, Caplume et autres, Cour, etc., qui ont fait Aristide.
Même s'il n'y avait pas cette menace, il y a nécessité que les Haïtiens s'unissent quand il y a un pays à sauver. Et ça, c'est la raison fondamentale. Et c'est pourquoi j'aime dire, depuis quelque temps, les gens sourient quand je le dis, mais vous connaissez que c'est vrai, nous sommes en 1803. Je le redis ici à New York, mais je l'ai dit largement en Haïti, largement à Montréal, un peu partout. Nous sommes en 1803. Je veux dire, par là, en tant qu'historien, 1803 vient, logiquement, après 1800 et 1802. En 1800. Je m'excuse de le redire, mais c'est important. Il faut que les Haïtiens comprennent. Il y a des clous qu'il faut qu'on enfonce. En 1800, Toussaint est en guerre civile, en guerre contre Rigaud. Où est Dessalines? Dans le camp de Toussaint. Où est Pétion? Dans le camp de Rigaud. Ils se battent de manière acharnée, ils se battent à mort. Toussaint est victorieux. Les gens, les Rigaudins s'en vont en France et reviennent avec l'armée de Clerc. 1802, qu'est-ce qui se passe? Pétion, dans le camp des forces françaises, bombarde la crête à Pierrot que Dessalines défend. Deux adversaires qui se battent. 1802! En 1803, qu'est-ce qui se passe? Là, au Caire, Dessalines et Pétion s'entendent et nous donnent l'indépendance quelques mois après. L'union, après deux moments très forts, très exaspérés, exacerbés, de lutte violente, sanglante, mortelle. 1803, l'union, parce qu'il fallait l'indépendance pour sauver tout le monde. Menacé par les Français. Mais c'est ce que je dis, nous sommes en 1803. Quelles que soient les luttes d'avant, quels que soient les antagonismes, etc., nécessité de l'union pour sauver ce pays. Et le RDNP représente cette chance-là de sauver le pays. Le RDNP s'appelle un rassemblement. R, c'est rassemblement. Nous sommes pour l'unité fondamentale du pays face à la situation actuelle pour sortir le pays de la crise. Monsieur le professeur, nous n'avons pas assez de temps, nous avons seulement une minute. Pouvez-vous me dire un peu de mots? Nous sommes arrivés au seuil du nouveau millénaire. Exact. Un peu de mots, quelle est votre vision pour Haïti? Eh bien, nous l'avons, c'est dans le slogan électoral du parti à l'heure actuelle. Il est très court, donc ça comblera votre minute sans excéder votre délai de temps. Un pays nouveau, dans un siècle nouveau, au début d'un nouveau millénaire. Changer la vie pour un pays nouveau, dans un siècle nouveau, au début de nouveau millénaire, en un grand sursaut national, ensemble, 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 jusqu'à la victoire finale. Merci d'être venu, professeur. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Bonsoir et bon week-end.